Il arrive d'entendre que les victimes de violences se sont laissées faire trop facilement ou même qu'elles ont provoqué cette violence, alors que des agresseurs, on entend qu'ils se sont laissés emporter par la folie du moment, entre guillemets. On en conclut que les victimes ne sont pas si victimes et les coupables pas si coupables. Heureusement, ces représentations sont en train de changer. Pour moi, il est important de comprendre que les femmes qui dévoilent au grand jour les violences dont elles ont été les victimes ne le font pas par gaieté de cœur ou pour démonter des personnalités masculines puissantes. Qui a envie de paraître dans les médias pour ces raisons, franchement? Qui a envie que son nom soit associé à un tel crime ou à un homme qui nous révulse? Très sérieusement, je pense que ce sujet est extrêmement difficile à aborder pour les victimes, mais qu'elles le font parce qu'elles ne souhaitent pas que la situation perdure, tout simplement. Mais les fantasmes en tout genre qui consistent à considérer que les victimes ont pris plaisir à la violence ou à sa dénonciation me révoltent particulièrement.